Eh oui, vous aurez reconnu le French Cancan. Et non, je ne me lèverai pas pour le danser. Et je suis plutôt jeune quand même, hein. Un peu plus de 300 ans, vous vous rendez compte? Bon, plus sérieusement, nous sommes en 1874 avec un compositeur français qui s'appelle Jacques Offenbach. Ce compositeur est célèbre pour ses opérettes. Vous allez me demander la différence avec un opéra. Eh bien, le sujet, beaucoup plus léger. Nous allons entendre le galop infernal tiré d'Orphée aux Enfers. Ce petit extrait de la pièce est désormais connu sous le nom de French Cancan. Eh bien, ce soir, c'est Isaac et sa trompette qui va nous emmener danser. À toi, Isaac. Pardon, j'étais en train de travailler ma chorégraphie. Vous avez reconnu ? Ah, la scène de la mort du cygne dans le lac des cygnes. Eh bien oui, je vais vous parler maintenant de ce magnifique ballet écrit en 1895 et dont la musique a été composée par Piotr Ilitch Tchaïkovski, célèbre compositeur russe. Cette mélodie tragique a traversé les époques et elle vous est livrée ce soir par Carolina et sa clarinette. Tu as triché, Amandine. Ce n'est pas bien. Eh oui, ta petite valse de l'Ajos Pop. C'est pas comme ça, c'est comme ça qu'on dit. Il est hongrois, c'est pas facile à dire. Eh ben, l'Ajos Pop, il est contemporain, du XXe siècle. Donc, hein, c'est un peu limite, Amandine. Tu as de la chance. Heureusement que moi, j'ai triché aussi avec le boléro en début de présentation. Bon, peu importe. Ta petite valse, tu la joues très bien. Et c'est toi qui vas clôturer cette quatrième et dernière audition de Vetra Musique. Cher public, chers parents, chers élèves, je vous remercie pour votre assiduité. Je vous remercie du fond du cœur d'avoir participé à ce projet. Merci de nous avoir suivis, de nous avoir encouragés tout au long de ces auditions. Il était important de faire se représenter nos élèves, de donner un peu de baume au cœur pendant cette période si particulière que nous avons vécue. Nous aspirons maintenant vous retrouver en vrai pour nos concerts, nos spectacles et nos manifestations. Restez connectés. À très vite. Passez un très bel été.